Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Union Sorbonne. Nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire. Vraiment, ça fait mal au cœur, honnêtement. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose pour que cette affaire rentre dans l'ordre. Waouh! Comme vous pouvez le voir ici, c'est une affaire d'escroquerie. Une affaire de vol. Parce que moi, j'appelle ça du vol. Je vous explique rapidement. Avant que vous puissiez écouter cette affaire, en fait, la version de cette dame. Qu'est-ce que cette dame a dit? Elle a dit que elle avait besoin d'une maison de 45 millions. Elle s'est rendue chez une femme qui dit être propriétaire d'une société immobilière. Et arrivé là-bas, les choses se sont déroulées bien. Mais par la suite, les choses ont changé. Une maison de 45 millions, cette femme-là après appelle pour dire non, elle s'est trompée et que cette maison n'est pas à 45 millions, c'est plutôt à 80 millions. Comme une maison, on vient acheter, on s'est bien entendu, on a visité la maison, on dit c'est 45 millions et du jour au lendemain, le prix change. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? C'est-à-dire, ok, il n'y a pas de souci. Si le prix a changé, il n'y a pas de problème. Moi, mon budget, c'était 45 millions. Alors, remboursez-moi, donnez-moi mon argent. Et puis, je vais me chercher une autre maison. Ah, c'est encore là, il y a affaire dedans. La femme lui a dit, oh, j'ai compris. Écoute, nous allons rembourser votre argent et tout ça. Mais cette affaire aujourd'hui, ça a bientôt fait 3 ans. 3 ans. À un moment donné, cette star, ça ferait le bien, a dû se rendre devant les autorités compétentes pour pouvoir gérer cette affaire. Mais il n'y a pas eu de suite. Comme il n'y a pas eu de suite, cette star elle-même a décidé de venir ici sur les réseaux sociaux nous exposer son problème. Son problème. Et son problème est ici. Écoutons. Je trouve ça très méchant de la part de certaines personnes. Voyez-vous comme ça? J'ai connu une femme par le biais de sa fille, qui est ma camarade, qui m'a dit comme ça. Un jour, je lui ai dit, mais écoute, elle m'a appelé un jour comme ça. Ah, on dit quoi, ça va? Et la musique, ça va? Elle dit oui, ça va, ça va. Elle dit, mais tu es où? Je dis, non, je suis à la maison, je m'apprête à aller dans une agence immobilière pour acheter une petite maison pour moi et mon staff, pour qu'on puisse rester ensemble. Parce que quand on est ensemble, nous, on travaille mieux. Voilà. Parce que louer les maisons à gauche, à droite, pour lui là, pour celui là, pour ceux-là, c'est un peu fatigant pour moi. Donc, je vais rapidement dans une société immobilière, j'ai rendez-vous avec des gens qui vont me proposer des trucs, des maisons pour que je puisse acheter les maisons. Une maison pour que je puisse y vivre avec mes danseurs, surtout pour le moment. Donc, c'est ainsi que la fille m'a dit, ah, mais ma mère, elle est dans une société immobilière, là, sa société immobilière, elle est dans l'immobilier. Je lui ai dit, ah bon? Mais moi, j'ai déjà rendez-vous avec d'autres personnes. Elle me dit non, que sa maman est dans l'immobilier et tout, et tranquille, et bon voilà. J'ai dit ok, donc, comme tu es ma camarade, il n'y a pas de problème. On va aller voir ta maman. Et puis, elle va nous proposer des trucs si ça nous intéresse. On va truc, sinon que j'avais rendez-vous avec des gens. Donc, elle m'envoie chez sa mère en question. Je vois la mère, bel appartement, tranquille. Elle m'a parlé. Elle m'a dit qu'elle avait des maisons, il a une société immobilière, c'est sa société à elle-même. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, vous avez dit que vous avez une société, vu que je connais votre fille, et puis ça fait quelques jours que je vous vois et vous m'appelez souvent, on a de bons rapports, il n'y a pas de problème. Par rapport à votre fille, on a de bons rapports. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais voir les maisons.
Je voulais voir les maisons. Et c'est ainsi que la dame m'envoie à Bassam, je sais où, à Bassam, un truc comme ça, me présenter des maisons. Pour me dire, ah, voici ces maisons qu'elle vend. Je dis, ok. Combien coûtent les maisons? Elle nous a dit 45 millions. Je lui ai dit, oui, je suis d'accord avec. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la comédie. C'est un cri de cœur. Et c'est un fait justifié à l'appui avec les preuves. Donc ceux qui aiment l'artiste que je suis, ceux qui aiment ce que moi et mes danseurs, nous faisons pour la culture ivoirienne, vraiment vous êtes priés de partager encore cette vidéo pour que ça arrive aux autorités. Je continue. Donc, elle nous a montré les maisons. Elle nous a dit c'est 40 millions, 45 millions, ça commence à 45 millions. 45 millions, elle nous a montré... Ouais, elle nous a montré les maisons, elle nous avait dit ça faisait 45 millions, voilà. 45 millions, 45 millions. Je lui ai dit, ok, maman, moi, je suis intéressé. Mais là, je vais en Europe. Si je reviens, vu que j'ai vu les maisons, mon manager va se charger. Elle va voir aussi, parler avec vous et tout et tout. Et puis, comme ça, on va venir, quand je quitte en Europe, je vous verse une avance. Et ensuite, on vous donnera le reste. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Voilà que je quitte en Europe, j'arrive. Je suis allé faire un retrait de... Bon, j'avais fait un retrait de peut-être 20 ou 30 millions comme ça. J'ai pris les 30 millions. Je suis allé chez mon manager, qui est Rita Kawen, que je salue au passage. Maman Rita Kawen. Je suis allé, je lui ai dit, parce que moi, mon manager général, c'est une femme. Donc, elle et moi, en tout cas, c'est comme ma maman. Elle gère beaucoup de choses pour moi et tout. Et bon, voilà, c'est ma maman. Et donc, je gère beaucoup de choses avec elle. Donc, j'ai retiré les 30 millions qui étaient dans mon sac. Je suis allé voir ma maman. Je lui ai dit, ah, j'ai vu la dame, je t'ai mis en contact avec la dame. Est-ce que tu as vu les maisons? On a vu la maison, là. Quand je suis parti, là, tu as causé avec elle, tranquille, c'est bien, c'était bien, tranquille. Elle m'a dit, oui, c'est tranquille. Apparemment, c'est tranquille. Et vu que c'est une femme qui est posée, elle a une grosse voiture, elle a une grosse maison, il n'y a pas de problème, ça va. Donc je lui ai dit, ok, je viens là avec 30 millions. Voici l'argent. On doit aller donner l'avance à la femme pour la maison de 45 millions. Et comme ça, mon manager m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je prends le rendez-vous avec la dame. Et puis, on va la voir. Et puis, on donne l'avance. Et puis... on va prendre la maison. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. On a appelé la dame une fois, elle nous a dit non, elle n'est pas disponible aujourd'hui, que voilà, elle n'est pas disponible, que ça sera peut-être demain ou après-demain. On a attendu un jour, ou je crois un jour ou deux jours. On est arrivé, elle nous a appelé, elle nous a dit, bon voilà, elle est prête et tout, et tout, et tout. On lui a dit, ok, vu que on a vu la maison, ça nous plaît et tout, et tout, et tout, il n'y a pas de problème. On arrive vers vous. Elle nous envoie dans un bureau. J'ai dit à mon manager, là, j'ai dit, mais on va donner les 30 millions. Quelque chose m'a tiqué comme ça dans ma tête. J'ai dit, mais on va donner les 30 millions. Et moi, je ne sens pas qu'on doit donner tout. Donnons-lui 10 millions et puis on lui dit qu'on va lui donner le reste après pour voir le déroulement des choses. Vous avez vu ça? Vous avez vu que c'est lui venu à l'esprit comme ça? Une idée. Parfois, l'intelligence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le jour qu'on priait, demandait à Dieu de donner l'intelligence. Vous voyez, ce monde est vraiment un monde terrible, il y a des malhonnêtes. Donc, il faut prendre maintenant des précautions, ces précautions. Écoutez la suite, vous allez voir. Donc, mon manager a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il faut lui donner 10 millions d'abord. Il faut garder 20 millions, on va voir, comme tu as dit là. Parce qu'on ne sait jamais. C'est ainsi qu'on est arrivé là-bas, au siège. Dans la voiture, j'ai laissé 20 millions et j'ai pris 10 millions pour monter. Quand je suis monté, j'ai donné les 10 millions à la dame. Elle était dans un bureau avec deux personnes. Elle était dans un bureau avec deux personnes qui étaient soi-disant ses agents. Et j'ai versé l'argent. Elle nous a fait signer des papiers.
pour la maison et tout. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Suivez-moi. Parce que les artistes, nous les artistes, vraiment, on se bat. On se bat pour s'en sortir. On travaille trop, en fait. Donc, je vous explique d'abord avant d'en venir là-bas. J'ai dit comme ça, la dame, elle nous a fait signer les papiers, elle nous a fait tout, elle nous a donné, elle nous a remis les papiers, tout. Elle nous a dit, ok, il n'y a pas de problème, que vous allez envoyer le reste. On va gérer, comme vous l'avez dit, vous allez payer en combien de temps? Je lui ai dit, maman, nous on va payer en 3 temps. On te donne 10 millions. Et puis, après on vient te donner le reste. Pour voir le déroulement des choses. Peu de temps après, la dame nous appelle. Elle nous dit que les maisons de 45 millions là, que c'est passé à 80 millions. Je lui dis, mais, je dis à mon manager, mais maman, nous on n'a pas dit qu'on voulait une maison de 80 millions. On a dit qu'on voulait une maison de 45 millions. Elle nous a dit, il y en a. Elle nous a montré les maisons. On a choisi notre maison. On lui a donné 10 millions pour garantir déjà la maison. On lui a dit, au moins comme je vais en tourner, dans une semaine je serai là, on lui donne le reste et on prend la maison. Après ça, la dame nous appelle, elle nous dit la maison est passée à 80 millions. On lui a dit, mais non madame, nous on n'a pas dit qu'on veut vraiment une maison de 80 millions. On a dit on voulait une maison de 45 millions. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Que cette partie-là ne passe pas comme ça inaperçue. Si vous voulez faire une affaire avec quelqu'un, vous discutez de cette affaire avec cette personne, vous tombez d'accord. Et le jour suivant, ça change. Les données changent à chaque fois. Aujourd'hui, cette personne dit ceci. Demain, elle dit cela. Après, elle dit autre chose. Il faut quitter dans ça. N'entrez pas dans cette affaire. Ne continuez pas l'affaire. Annulez en même temps l'affaire. Annulez. C'est-à-dire que là, la maman a commencé déjà. C'est-à-dire que le complot sur le complot a commencé pour pouvoir vous mettre des problèmes à la fin. Une affaire. On s'est entendu, c'était 45 millions. Et tout d'un coup, comme par magie, on dit non, ce n'est plus possible que, voilà, les maisons sont montées maintenant à 80 millions. Genre deux fois plus, quoi. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Faites grave attention. Hein. Ceux qui sont intelligents vont comprendre ce que ça veut vous dire. Soyons justes dans la vie. Très, très, très justes. Ce sont des détails que vous ne devez jamais négliger. Quand vous êtes dans les affaires, on est plus loin. Parce que c'est là que notre budget arrive. Une maison de 45 millions. La dame nous dit, ah, la maison est passée à 80 millions. On lui a dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Ça, ce n'est pas un problème. Nous, notre argent, on ne peut pas acheter, on ne peut pas se permettre d'acheter une maison de 80 millions en ce moment précis parce que l'artiste a une carrière devant. J'ai une carrière à gérer. Je n'ai pas de producteur. C'est moi-même qui me produis. Je m'occupe de mes danseurs. Et je m'occupe de mon staff managérial et mon staff de sécurité. Donc, on ne peut pas se permettre de vraiment prendre une maison de 80 millions. Ça ne sera pas trop bien pour nous. Il faut qu'on ait une bonne sécurité financière pour pouvoir continuer notre carrière. La dame a dit, ok, on lui a dit, non, c'est plus la peine. S'il n'y a pas une maison de 45 millions que vous pouvez nous donner, c'est pas la peine. Remettez-nous nos 10 millions et puis il n'y a pas de problème. La dame nous a dit il n'y a pas de problème. D'abord, pour commencer, elle nous a fait un chèque en bois. On a envoyé au truc, comment on appelle ça, à ma banque. Le paiement devait être fait. Le paiement n'a pas été fait. Les reçus sont là. Les preuves sont là. Et depuis lors, la dame, elle a commencé à nous jouer,
à nous jouer. Un mois, deux mois, trois mois, elle nous dit non après, non, je suis pas à Abidjan, non, je suis ici, non, je suis pas là. C'est comme ça qu'on a envoyé la première. L'histoire même date de depuis 2019. C'est une histoire de depuis 2019. La dame, nous sommes allés, où vous savez, poser plainte contre la dame. Nous sommes partis à la PJ, nous sommes passés un peu partout. On a posé plainte contre la dame. Je ne sais pas, il n'y a pas eu de suite. Nous avons posé plainte contre la dame, il n'y a pas eu de suite. La dame a commencé à nous tourner. Et peut-être le policier qui avait l'affaire, et nous, la dame a commencé à nous jouer. Elle a commencé à nous jouer. Elle a commencé à nous jouer. Jusqu'en 2020, on est allé reposer une nouvelle plainte en janvier. Peut-être le 13 ou le 10 janvier comme ça. 2020. Nous avons reposé une nouvelle plainte. La dame encore continue de nous jouer. Nous avons passé partout. Vous ne pouvez pas imaginer. Sinon, les affaires d'escroquerie, ça ne se gère pas au téléphone. Mais si je suis assis ici aujourd'hui pour vous parler de ça, c'est parce que l'affaire n'a pas de suite. On a passé partout. Dans les commissariats, gendarmerie, à la PJ. Partout, nous avons passé. Mais il n'y a pas de suite. Ah! Non, c'est pas possible. C'est pas possible quand même. Ah! Mais que se passe-t-il à ce niveau? Ça, c'est vraiment grave. Nous sommes allés à la brigade de recherche au plateau. Il n'y a pas de suite. Beaucoup de preuves sont dans mon téléphone. Je vous montre d'abord les preuves et je poursuis mon allocution. Vous voyez, il y a des gens qui ne sont pas bien. Pendant que elle, ses enfants roulent dans les grosses voitures, pendant que ses enfants fréquentent aux États-Unis, ses enfants sont dans les grandes écoles ici, elle-même est dans les grosses voitures. Nous, c'est notre argent que toi, tu bloques. On te dit de donner notre argent, on va aller voir ailleurs pour une autre maison, pour ses enfants. Hein. Et toi, non. Je viens, je vous montre. D'abord, parce que demain, il ne faudrait pas qu'on dise que je fais des trucs sans preuve. Voici. Vous voyez ça? C'est une convocation de police. Regardez bien. Il y a effectivement une convocation de police. Regardez la date. Tout est là. Voici. Tout est là. Tout est là. Voilà. Tout est là. C'est une convocation de police. Il y a même un soi transmis contre elle. Voilà. Le soi transmis. Regardez le soi transmis. Voici le soi transmis. Vous voyez? Je vous montre. Regardez encore. Tout ça, ce sont les papiers contre elle. Mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Je ne sais pas si elle donne l'argent aux gens pour ne pas que ça soit géré. Parce que je voulais passer. Je voulais faire les choses dans les normes. Aller à la police comme tout le monde. Aller à la gendarmerie comme tout le monde. Aller poser plainte comme tout le monde. Et puis, l'affaire va se régler normalement. Pour ne pas que demain on vienne dire, oh, comme c'est l'artiste, il a un peu des relations, il a fait ça. Comme c'est Safaré, il a fait ça. Parce qu'on connaît ce que les gens peuvent penser. Donc j'ai passé par la voie normale. Mais il n'y a pas de suite. Qu'est-ce que cette star doit maintenant faire? C'est ce qu'elle a décidé de faire. Elle a décidé de venir devant nous tous ici pour exposer le problème. Hein? Non, ça vraiment... C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage, c'est dommage, c'est vraiment dommage. L'histoire date de depuis 2019. On poursuit la dame se cache. On pose les plaintes ne vont nulle part. J'aimerais dire ici, j'aimerais interpeller ici nos autorités. Papa Ahmed Bakayoko, vous êtes notre papa. Et vous savez combien de fois les artistes souffrent. Combien de fois les artistes souffrent. Maman Dominique Ouattara, vous êtes ma marraine, vous êtes ma maman.
Je vous ai manqué plusieurs fois au bureau parce que vous étiez en déplacement. Pareil pour le père Ahmed Bakayoko. J'ai cherché à vous rencontrer et tout. Mais on m'a dit que vous êtes en déplacement et tout et tout. Raison pour laquelle je m'adresse ici à vous très sagement, très poliment dans cette vidéo. Monsieur le DG de la police, le père Issouf Pouyaté, c'est votre fils. J'aimerais que justice soit faite sur cette affaire. Monsieur le procureur Adou, voici de quoi nous souffrons. Voici de quoi nous souffrons. Il n'y a pas seulement que les pirates qui tuent les artistes. Il n'y a pas seulement que, par exemple, parce que on dit, le Burida, par exemple, parce que les gens, j'entends les gens parler de ça, qui tuent les artistes. Il n'y a pas que les pirates qui tuent les artistes. Mais ces personnes comme ça, malhonnêtes, tuent aussi les artistes que nous sommes. Et demain, les gens viendront dire, oh, Safarel, il a chanté, il a fait tout, il n'a même pas une maison, le voici qui traîne dans ta fête. Oh, Safarel, il a chanté, il est malade, on fait SOS, c'est foutaise. Oh, Safarel, il est comme ça, il est comme ci. Monsieur le procureur, maman Dominique Ouattara, le père Ahmed Bakayoko, papa Kouyaté, le DG de la police, il faut que cette histoire soit réglée parce que ça va nous aider. Absolument, ça c'est tout réel. C'est vraiment tout réel. Voici un artiste qui cherche à réaliser, à construire, pas seulement pour lui-même, mais aussi pour tous les enfants qui sont juste là derrière. Regardez, tous les gars qui sont juste là derrière. Et voici que un problème comme ça va venir le faire perdre du temps. Ah! C'est son argent, non? Il est de ses droits. Il demande son argent, il ne demande pas l'argent de quelqu'un. C'est pas du vol. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous-même, écoutez ça encore. Écoutez. Parce que ça va nous aider. Il faut que cette histoire soit réglée. Parce que ça va nous aider. Nous ne pouvons pas agir de nous-mêmes parce que je sais qu'il y a une justice dans ce pays. On ne peut pas agir de nous-mêmes. Parce que ici, c'est un pays de droit. Ici, je sais qu'il y a une justice qui va faire son travail, mais peut-être que le dossier n'est pas trop entendu, le dossier n'est pas trop traité. Donc, raison pour laquelle je viens devant ma caméra, pour que cette vidéo-là arrive à bon port, pour que vous puissiez mettre la lumière sur cette affaire. C'est l'œuvre de l'esprit. Nous travaillons dur pour avoir notre argent et les gens viennent nous escroquer. On passe partout. Sans une histoire de relation ou quoi que ce soit, à la police, à la gendarmerie, partout, mais il n'y a pas de suite. Maman Dominique Ouattara, c'est ton fils, Safarel. C'est ton fiole, Safarel. Maman Dominique, vous voyez tous ces enfants-là? Il y a des gens, il y a des danseurs ici. Ça, c'est des danseurs seulement. Je prends. Des danseurs seulement que je prends. Il y a des orphelins de père. Il y a d'autres qui sont orphelins de mère. Il y a d'autres même qui sont orphelins de père et de mère. Tous ceux-là, ils sont avec moi. Je suis comme les papas, je suis comme les mamans. Il y a des enfants dedans que j'ai pris dans la rue. Pas moi qui ai pris, mais qui sont venus vers moi. Aujourd'hui, je vous explique quelque chose
que tout le monde entende. Vous savez pourquoi j'ai beaucoup de danseurs? Parce qu'il y a des danseurs qui veulent travailler. Si un petit, un enfant, il vient te trouver dans la rue, il te dit, ah, grand frère, c'est chaud sur moi, il sait danser, je veux me chercher avec toi. Qu'est-ce que tu lui dis? Vous savez, la méchanceté, on est avec, la gentillesse, on est avec. La méchanceté, là, on est avec, la gentillesse, on est avec. J'ai beaucoup de danseurs parce que j'aime l'homme. J'ai beaucoup de danseurs parce que il y a des danseurs que j'ai pris dans des situations, je dirais, graves. Mais aujourd'hui, qui arrive à avoir un bout de pain pour manger, aujourd'hui, qui arrive à satisfaire, si c'est maman seulement qui est là, aujourd'hui, qui arrive à satisfaire ne serait-ce que les petits besoins. Et on avance comme ça au fur et à mesure. Sinon, qui n'aime pas l'argent? Vous pensez que je prends une population comme ça pour mettre derrière moi et puis je dépense chaque jour? Regardez, l'entretien de tout cela, c'est de l'argent, c'est de grosses dépenses. Si quelqu'un vient te dire, ah grand frère, je vais me chercher à côté de toi, c'est chaud sur moi. Viens petit, allons. On se cherche. Si c'est 5 francs, on casse. Raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de danseurs derrière moi. Et je ne parle pas seulement que des danseurs. Les danseurs seulement, ils sont au moins au nombre de 14 ou 15. Moi, mes danseurs. Parce que je ne peux pas chercher quelqu'un. Un petit vient, il dit, il veut se chercher à côté de toi. Il veut se chercher à côté de toi. Mais tu le prends. Et puis vous vous débrouillez. Sinon, il y a plein d'artistes. Ils ne s'embrouillent pas. Ils prennent deux danseurs, un manager. Mais j'essaie de faire tout ça. Je ne vous parle pas des danseurs. Les danseurs, ils sont 15. Les managers, je ne vous parle pas encore des managers. Hein. Des managers, les managers, ils sont au moins 6. Et je ne vous parle pas de ma sécurité. Mes gros bras, c'est-à-dire. Ça veut dire que nous sommes au moins, une vingtaine de personnes que je gère à mes propres fonds. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Quelqu'un qui a pris un chat comme ça. Et vous le voyez tout le temps, les stars, vous le voyez, mais il n'y a pas qu'elle seule. Il y a tout un monde derrière, regardez. Et dans le cas de celle de Safara Lobion, il gère vraiment beaucoup de familles. Donc, s'il vient, il nous parle d'une affaire de 10 millions, c'est que vraiment, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Il nous a demandé de l'aider en partageant la vidéo, que ça aille vraiment devant les autorités compétentes et que voilà, l'affaire soit réglée. Moi, je suis en train de faire ce que je peux. Oui, on dit soutenons nos vivants. Moi, c'est une manière de soutenir tout le groupe, toutes ces familles. Mes frères et sœurs, vraiment, c'est triste d'entendre de telles choses. C'est vraiment, 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 vraiment triste. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et partagez aussi cette vidéo. Et dites-moi vraiment, 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 comment vous vous sentez. Ou comment vous sentirez-vous si ça vous arrivait. Hein? Vous voyez des gens bien habillés, bien cravatés dans la grosse voiture. Parfois, on dit ne vous fiez pas aux apparences. Même pour faire les affaires avec les gens, il faut savoir quel est l'état d'esprit, quel est l'état d'âme. C'est-à-dire, est-ce que c'est un sorcier ou bien une sorcière qui est devant toi aussi? C'est pas de la blague. C'est vraiment pas de la blague. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vraiment. Je vous attends. Et partagez cette vidéo.